Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius, avec les studios Luna Rossa. Tiens, voilà quelqu'un que tu as influencé à n'en pas douter. Il s'appelle Don Inger. Merci, Don, d'être là. Avec Red à côté de toi, la guitare. Tu vas être en concert, on va donner les dates tout à l'heure. Mais là, justement, quel bel hommage à cette chanson qui s'appelle tout simplement Bilderheim. On t'écoute, Don, en live dans le Loft Music Sud Radio. Don Inger. Ce jour-là, j'étais au belvédère de ma veine programmée. En première partie du concert, le couple se mit toasté. C'est un vrai mec vraiment très cool. Dans chaque patelin, il attribue Babylone et TDB cool. Ça, c'est les mains, c'est du vécu. Fais pas de Bill, fais pas de Bill, Bill de Rennes. Bill de Rennes. C'est quand il a pris sa guitare, quand sous son béret je l'ai vu chanter, qu'il était pour moi ni tôt ni tard. Au mur le temps s'était scotché. Il a poussé son cri animal, j'ai vu bouger la terre entière. C'est là qu'inaccessible étoile pouvait rentrer dans l'atmosphère. Fais pas le bulle, fais pas le bulle, Bill de Rennes. Balance-nous ton répertoire, fais donc chanter l'auditoire, Bill de Rennes. Ah, c'est bon de recevoir, sans prendre sens, c'est giratoire, Bill de Rennes. Fais pas de bulle, fais pas de bulle, Bill de Rennes. Fais pas de bulle. Don Inger, merci beaucoup avec Red Mitchell à la guitare. Alors là, ouais, j'avoue que tu chantes devant le maître, si je puis dire. Hein, c'est... Celui qui t'a influencé, en tout cas. Ouais, alors ça fait. Il hoche la tête, Bilderheim, bien évidemment. Mais moi, je sais bien que ça fait quelque chose, Don Inger. Évidemment que ça fait quelque chose. En plus, c'est un morceau que j'avais enregistré. On a eu l'occasion de faire un petit festival de blues dans un petit endroit que j'ai ouvert musicalement il y a 24 ans maintenant, qui s'appelle le Belvédère à Champigny, et où j'avais présenté Bill au boss de l'endroit. Et je lui ai dit, bon, maintenant que je t'ai présenté le grand Bill, je veux faire partie de l'affiche. Et donc, pour moi c'est, ça a été un truc invraisemblable, quoi. En plus, avec... ça fait 20 ans que j'ai enregistré ce morceau. Oui, et juste avant, oui, j'avais chanté Babylone, tu déconnes, avec l'acceptation de l'auteur. Bah, t'es pas capable de me la chanter là dans deux minutes, hein. Babylone, tu déconnes. Bah, ah, tiens, je suis capable, mais en tout cas, ça avait grand plaisir. Il faut pas me dire ça. Et justement, cet album vient couronner ces 20 ans de carrière dont tu parles, qui t'a permis d'ailleurs de mettre des inédits et des anciennes chansons à travers les albums que tu as déjà fait. Exactement. Et notamment un duo avec Rui Veloso, qui est un artiste un peu, c'est un peu le Johnny Hallyday portugais, c'est ça? Rui Veloso, oui, qui est surnommé le père du rock portugais, mais qui est influencé par le folk.
folk, le blues, quand B.B. King faisait encore partie de ce monde, c'est Ruy Veloso qui était invité à la fin. D'accord. Donc voilà, c'est un peu notre Bilderheim portugais, qu'il adore les textes. Ouais. Je suis très chanceux d'avoir monté avec lui, d'avoir enregistré avec lui, d'être là avec lui aujourd'hui. Et puis il y a Lio aussi. Lio, que j'ai fait chanter en portugais aussi. C'était pas forcément chose gagnée d'avance, mais c'était sympa, c'était super sympa sur une chanson d'amour. Sur ses origines. Ouais, tout à fait. Ouais. On écoute Babylone alors, en duo, guitare-voix, accompagné par Red Mitchell, Danninger, sous le regard et l'oreille de Bilderheim, voici Babylone. Pas simple hein, comme exercice. Ah, c'est trop bien! Qu'il arrive demain, je ne suis pas prêt d'oublier ça. Un mec heureux m'a serré la main un jour où j'avais froid. Écrasé sous une paire de seins géants, j'attendais le métro. Il s'est assis près de moi en rigolant et en jouant avec un yo-yo. Se parler comme une parenthèse qui s'ouvrait dans le temps. J'y ai demandé où il allait, il m'a répondu je ne sais plus. Mais c'est pas grave, là où je vais, je ne serai jamais perdu. Il est descendu en dansant à Cerro Babylon. Il dansait en chantant Babylon, tu déconnes. Babylon, 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 tu déconnes. Babylon, Babylon, bientôt t'écrasera plus personne. Babylon, 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 tu déconnes. Babylon, Babylon, bientôt t'écrasera plus personne. Ce n'est pas un ringard, ne vous apitoyez pas. La pitié salirait son art, c'est un comique en tenue de gala. Moi je l'ai revu depuis ce jour et j'aime bien aller le voir. Les médecins disent qu'il est fêlé, c'est vrai qu'ils se font la poire. Chambre 23, pavillon de lilas. Si tous les hôpitaux du monde pouvaient chanter comme ça. Babylon, 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 tu déconnes. Babylon, Babylon, bientôt t'écrasera plus personne. Babylon, Babylon, Babylon.
écrasera plus personne. Ah, quel moment super émouvant dans ce Loft Music Sud Radio avec Danninger qui chante Babylone, Babylone. On va en parler avec Bill juste après parce que j'étais très très ému moi de voir le rapport et voir le regard, l'écoute de Bill et cette générosité que tu as mise dans cette chanson, c'était très très touchant. On se retrouve juste après ça sur Sud Radio. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. Avec les studios Luna Rossa. Avec Bill Doerem dans ce Loft Music et Danninger. Vous avez entendu dans cette reprise Bill Doerem, c'était chouette. Bill, alors bon, c'est toujours gênant peut-être de dire un truc, mais quand même, c'est super touchant quand quelqu'un reprend une chanson à soi. Ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. Ah, bah oui, oui, oui. Ça fait... Dan, c'est vrai que. C'est. Enfin, je l'ai rencontré là, dans cet endroit du Belvédère, qui continue d'ailleurs à marcher. Ouais, c'est un endroit vraiment... Que tu programmes, hein, c'est ça, Dan? Non, je ne programme pas, mais non. Disons que je donne un coup de main voilà. Au patron. Et c'est à quel endroit, redis-moi? C'est à Champigny-sur-Marne. Alors écoutez, vous qui habitez à Paris... C'est un endroit où, alors pour la petite histoire, un certain Brassens fréquentait l'endroit avant qu'Alain reprenne l'endroit, évidemment, parce que son contrebassiste habitait quelques rues à côté. Donc c'est un endroit qui est empreint d'âme et puis des gens comme Bill ou des gens inattendus comme Grimmel Wright ou des gens qui sont venus nous offrir leur chansons sur un petit endroit qui paye pas de mine comme ça mais qui une fois qu'on y est on a envie d'y rester quoi autour d'un verre ou deux et bien sûr évidemment. Comme ce soir Bill c'est vraiment minuscule mais c'est chaleureux comme tout puis le patron il est génial Un dernier blues avec Florent Pagny et Bill Doerem sur cet album Nouvel Horizon dont tu es venu nous parler, Bill Doerem, ce soir dans le Loft Music Sud Radio. C'était un vrai joli moment, simple, vrai surtout, juste. Et ça fait du bien, dans le ventre, quoi. Ça remue des choses fondamentales, quoi. Danninger, merci d'être passé. Hein, merci. Merci, Dan. Arrête aussi. À vous, merci. C'était un plaisir. Moi, je te remercie d'avoir chanté pour moi. C'est pas un exercice évident, mais Tu l'as fait. Ouais, bien fait. Bravo. C'était très émouvant. Je vais avoir du mal à dormir ce soir. C'était très émouvant. Ouais, je sais ce que tu veux dire. Merci beaucoup. Il y avait Sandra Cellier à la prise de son, Amélie Carral. Bravo, Sandra. À la programmation, elle a fait un joli son. Olivier Bruni à la réalisation. On peut applaudir évidemment. Allez-y, bravo, n'hésitez bravo. Pas. Merci beaucoup. L'album donc sort le 16 février, Bill Doerem, Nouvel Horizon, et puis d'ores et déjà, vous pouvez noter le 16 novembre à Paris, au Trianon. Moi, je sais déjà que j'y serai. Ah bah, t'intéresse. Hein. Salut Bill, à bientôt, bonne soirée sur Sud Radio. Yvan Cugius, le Loft Music Sud Radio, avec les studios Luna Rossa.